t'ai manqué. Oui, tu m'as manqué. Dans le micro. T'es mauvais, je sentais bien que t'es mauvais. Guitare. C'est la vie qui veut ça. Combien t'as réservé de dates là? Bah toute la tournée. Ah, elle était folle. Demande-lui du blé en bas. Attends. C'est bon dit. J'annonce d'être façon de barrer. Présentez-moi cette demoiselle. Et je sens très. Fais lui dire des saloperies, fais lui dire des saloperies. Non. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Coé le meilleur, t-shirt, fin de saison, normal, il fait chaud dehors, on est bien, parce qu'ici nous avons de la clim. J'espère que chez vous, vous êtes tranquille, vous avez fait une petite pause, vous êtes devant votre télévision ou vous avez sorti la télé sur la terrasse. Bienvenue dans le meilleur de notre émission de radio qui cartonne tous les jours sur Énergie, un petit peu grâce à vous. Et bienvenue dans cette émission où vous allez voir les meilleures images avec énormément de choses à l'intérieur, mais que de la rigolade. Miko est avec nous, ma petite stouffe, magnifique comme d'habitude. Il y a Monsieur Piette, pas magnifique comme d'habitude. Jeff, jamais été magnifique comme d'habitude. Et Bichette, et vous à la maison, vous êtes magnifique comme d'habitude. C'est Coé, c'est Coé. Le meilleur, le meilleur. Ça me fait plaisir de te voir. Comment il va? Mais comment il va? Ça va bien. Il a pas de mine, dis donc. Et bon, bah, il est toujours en vacances, Tom. Là, regarde-moi, ouais, ça. Il a ramené un t-shirt ça. Local. C'est une chemise déjà. Une chemise et locale. Elle est pas locale. Elle est de chez moi. Voilà. Elle est dans c'est mon... pas un boubou. C'est un boubou, non? C'est parce qu'il y a des couleurs que c'est un boubou, monsieur. Tu sais qu'on peut faire un sapin. C'est vacances. Hein. Dans ton ouais. placard. C'est mais incroyable. Non, mais lui, il peut porter ça. J'aime bien la lumière. J'aime bien les couleurs. Ça te va bien, c'est vrai. Ça va, t'es en forme? Très en forme. Je suis très content d'être là. Tu m'as manqué. Stouff, t'as manqué? Oui, toujours. Sauf c'est ma préférée. Oh, arrête, c'est vrai. Miko, t'as manqué? Un petit peu. Oh. Jeff, t'as manqué? Jeff, tu oui. m'as manqué. Je t'ai manqué? Oui. Mmh. Il n'y a que moi qui suis le véridique canard, en fait. Faudra me dire ce que j'ai fait à un moment donné. Hein. C'est parce que t'es fan de Star Wars et que je déteste. Ah, ce c'est pour ça. Parce que j'ai du goût. T'aimes pas Star Wars? Bah non, regarde sa chemise. J'arrive pas. Ah, t'as jamais essayé? Ah, si, j'ai essayé. Il parle à l'envers, ça m'a fatigué. Non, mais je parle à l'envers. Je peux pas remettre les choses à leur les place. Les gars qui parlent envers l'envers, ah moi oui, je peux pas. Hein. Ah oui, oui. Qu'est-ce qu'il me raconte de beau? Il a fait quoi ces derniers jours? Bah, il a fait. Il revient de la Réunion. J'ai vu la raison. J'ai vu la petite polémique qu'il nous a fait. Ah oui. Ah, la photo avec le lion. La photo avec les lions. Hier, j'ai reçu des messages. Hein. Je me suis fait. Ouais, t'as vu des gens qui font des photos avec des lions. Ouais, mais j'ai vu ça. Non, résumons, parce qu'il y a des gens qui comprennent pas. Résumons. Je suis allé dans un parc qui s'appelle Casella, à l'île Maurice, qui est un parc, en fait, c'est un. Qu'on appelle ça un refuge pour les animaux. En gros, on a attendu très longtemps. Il faut savoir que pour faire la marche avec les lions et tout, il faut attendre très très longtemps parce que c'est le lion qui choisit de sortir ou pas. Donc des fois, tu peux venir. En fait, tu marches à côté du lion. Ouais, tu marches à côté du lion. Ou, mais par contre, pour ce qui est des photos. Non, mais. Non mais tu faut avoir la confiance. Faut quand être même. Sûr qu'il est fini de bouger. Ouais. Là, en fait, tu vois ça. C'est, en fait, si tu veux, t'as un bâton qui te permet de faire une distance avec le lion. Et en fait, ce qui t'explique très très bien, c'est que le bâton n'est évidemment pas fait pour le taper, parce que de toute façon, même si tu le tapais avec le bâton, le lion, s'il a envie de te dégommer, te dégomme. C'est pas un bâton qui va l'arrêter. Oui, par contre, tu peux le tenir à distance avec. Ça veut dire que ce qui gêne les gens, c'est juste que ça soit un lion, parce que 3 jours avant, je poste une photo avec les zèbres qui sont au même endroit, dans les mêmes endroits protégés, et il y a pas eu de problème. C'est parce qu'ils pensent, ils partent du principe qu'on n'a pas le droit de domestiquer un lion, parce que pour eux, le lion, c'est le roi de la savane, ce que j'entends. Oui, mais on a domestiqué des chiens. Ah oui, non, personne oui. n'a rien dit. On a oui. domestiqué des tout un animal. On des a chevaux. Domestiqué des chevaux qui devraient être en liberté aussi. Et là, personne n'ouvre sa grande bouche. C'est juste que là, ça les dérange. Bah, que ça les dérange et que ça les continue. Moi, ça me touche une boule sans bouger l'autre. Allez. Et à la fin, il a mangé les zèbres. Personne ne l'a dit. Oui, oui. À la fin du parc, bien sûr, parce que pour ouais. te remercier de ça, t'as un steak de lion avec un steak de zèbre. J'ai une anecdote. Tu sais que ma sœur, elle est partie en Laponie et lui ont fait faire un truc, parce qu'elle m'a choqué quand elle m'a raconté ça. Ils m'ont fait faire un truc avec des rennes et tout. Donc elle est partie vers toute une journée rennes. À la fin, s'il te plaît, au resto, il lui propose du renne dans l'assiette. Mais non, elle a pas pu. Mais non, mais non, bah non elle a c'est celui qui avait le moins bien couru. Non mais t'imagines, là par contre là c'est mort. Moi le mec au restaurant il me propose du zèbre, je dis ça va pas. Non c'est mort, c'est mort. Et eh bien en tout cas beaucoup de gens ont retenu cette phrase de Kinvey. Ça m'en touche une. Sans bouger l'autre. Et je mange du zèbre. Nous avons sélectionné 2 personnes dans le public. Est-ce que je peux avoir les prénoms? Est-ce que je peux avoir les blazes? Est-ce que je peux avoir les jeunes filles? Bonjour mademoiselle. Bonjour. Quel est votre prénom? Je m'appelle Anaïs. Bonjour Anaïs. Anaïs, tu viens d'où? De Reims. Bonjour Anaïs. Bonjour. Qui d'autre? Bonjour. Bonjour. Le prénom? Nelson. Nelson fait du sport, Nelson, non? Non, pas du tout. Pas du non bon, t'as menteur, bonnes épaules, toi. Hein, t'as des... Un peu de foot, non? Bah, foot avec les épaules, alors. Non, c'est comment t'es... C'est du foot haltérophilie. C'est... Ah, tu pousses, tu tapes dans le ballon. Vous allez jouer avec nous dans un instant. Le gagnant aura l'honneur de faire un karaoké avec Kinvey. Ok. Et ouais. de chanter avec lui. C'est en classe. Pas mal. Le perdant ouais. aura le déshonneur de chanter avec son cousin, Kinvey. Ouais. Kinvey, donc, ok. Ce sera toi?
Ce sera moi ? Oh putain. Bah je suis le seul chanteur de l'équipe. Pardon ? Kinvier. 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 Kinvier, ce sera Valérie. Ok. Ouais. Du départ. Ok. Jeff. Quoi ? Ce sera rien qu'une fois rien et ça. Qu'une fois, ça... toi et moi. Non, ouais, okay. J'ai le truc déjà. Et Herbert Léonard, il sort de ce corps, ok, pas de problème. Tout, alors, je suppose que les deux, vous avez plutôt envie de chanter Kinvé. Je suis un lover. Ça va se mériter dans un instant. On va commencer à vous poser des questions. Toi, alors tu peux te décaler, décaler. De côté peut-être. Le jeune homme, c'est quoi dans la vie, Nelson ? Pour l'instant, au chômage. D'accord, ah, bah, tu cherches dans quoi ? Restauration. Mais ça cherche en restauration, plus. Ça cherche partout. On n'est pas un poil dans la main, Nelson ? Comment ? Oui, parce que je cherche, pardon, je cherche, mais je trouve pas dans la restauration, Nelson. C'est en tant que client. Restauration. Elle fait quoi, Bonjour, Anaïs. Anaïs. Elle vient d'où ? De Reims. D'accord. Elle fait quoi dans la vie ? Je m'occupe de mes enfants. Bah, c'est bien, combien elle en a ? C'est bien, ça. Deux. Tu fais grave jeune, vous savez, parce que t'es jeune. J'ai 25 ans. Ah deux ouais, enfants, 25 ans. Bah, c'est bien, elle est pas... Quel âge ils ont ? 14 et 13. Effectivement, effectivement. 5 ans et 2 ans. Ah, ça va, ça va, ça va. Mais tu fais ce que tu veux d'ailleurs. On s'en oui, non, mais c'est parce que je trouvais qu'elle faisait grave jeune. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et non. Attention. Si, si, 25, c'est jeune. Et non. Voici les questions. Ça se dit pas. Alors on y va, on répond vite. Hein, et on ne triche pas. Dans quelle commune Kinvé a été sapeur-pompier volontaire ? On va voir celui-là. Alors ça, si vous le trouvez. Ouais. Oh. Ah oui. C'est pas possible. Mais, non, c'est super dur. C'est pointu. Ah, où ça ? Anfreville-la-Campagne. T'étais pompier à Anfreville-la-Campagne ? C'est quoi, c'est 14 ? Ouais. Hein, c'est 27, 27. La 27, ville est... représente... Pardon. L'heure. Ouais. Kinvé est né le 31 janvier... 1983. Oui, voilà, voilà, oui. Ne doute pas de toi. Bravo, on sent la vibe. Un point, un point. Quel est le nom de la première discothèque où a bossé Kinvé ? Nelson, tu arriveras pas à l'hypnotiser, ça sert à rien de le regarder en faisant comme ça. Je suis Nelson Mesmer. Ouais. Moulin non, Rose, très marche. Bien. Là, je vais bien jouer. Très bien. Dans le titre, j'aimerais trop, combien de fois entend-on le prénom Valérie ? Hey. Bah, faites un essai, essayez. 14 fois. 14 fois, c'est la bonne réponse. Wow. C'est vrai ? C'est la bonne réponse. Non, mais c'est vrai. C'est Nelson, vous êtes à égalité, bravo. En même temps, c'est facile, tu prends 2 fois 7. Bah voilà. Bah voilà, forcément. Ah. En 2013, pour quelle association a-t-il joué à N'oubliez pas les paroles ? Compliqué ça aussi. Bah, tu sais que même moi je le sais plus. C'est que du bonheur ? C'est que du bonheur, bravo mademoiselle. Ah oui, ah, oui. Donc, c'est que du bonheur, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quelle certification a reçu son album Carpe Diem en 2011 ? Nelson, il marche son micro. Oui. Ah, elle a dit, elle a dit. Platine, oui, c'est la bonne réponse. Bravo. C'est que de platine. Bon, je crois que... Allez, tu vas chanter Kinvé. Bravo, ouais. Mademoiselle. Bravo. Bravo, bravo. Tu vas chanter. Et toi, tu vas chanter avec Jeff. On va commencer par toi, si ça dérange pas. D'accord ? Nelson et Jeff. Nelson, tu connais le titre ? Voilà. Dans le micro. Nelson. Dans le micro. Il va y avoir un assassinat avant la fin de l'émission c'est si tu parles bon pas dans micro, ce micro, gars, Nelson. Je te jure, hein, et je pense que ce sera ton corps. Hein. Vraiment. Hein. Et après, tu chanteras « Tu m'enterres, tu m'enterres, nanana, tu m'enterres ». Vous êtes prêts, on y va ? Allez. Attention, attention, dès que ça part, parce qu'on n'a pas payé les droits, c'est du karaoké. Attention, c'est on y va. Putain, c'est beau. Très bien. Je sens que c'est... Ah, on va reprendre, alors. Attends, on ne bouge pas. Wow. Non, attends, alors. Nelson, ça va vite, hein. Dans le micro ! On a vu ça, oui, voilà. On y retourne. Il a choisi de jouer ou pas, lui ? Comment ? Il a choisi de jouer. On m'a forcé. Est-ce que le monsieur a choisi de jouer ? Il a choisi. Allez, on y va, c'est parti. Payé pour ça. Nelson ? Commence déjà à mettre le micro contre la bouche. Nelson, attention, ça va être à toi dans pas longtemps. Prépare-toi. Je suis sûr que c'est tu n'as jamais entendu. Je n'aurais jamais aimé tes... Ah mais c'est pas lire en fait, faut le lire aussi. C'est du slam. Je t'aime et de me trop défendu. Laisse-le Jeff, c'est bien. Rien qu'une fois, toi et moi. Rien qu'une nuit, je t'en prie. Rien qu'une fois, toi et moi. Peut-être pour la vie. Une fois, toi et moi. Rien qu'une nuit, je t'en prie. Rien qu'une fois, toi et moi. Peut-être pour la vie, mais du son Nelson. Rien qu'une fois, mais la lumière. Rien qu'une nuit, je t'en prie. Rien qu'une fois, toi et moi. Peut-être pour la vie. Bravo Nelson. Quelle version, wow. Nelson. C'est-à-dire que je viens de voir ma chanson massacrée en Nelson, direct. Nelson, il a chanté comme en mode tué un de mes gosses. Non, mais il a chanté en mode décontracté. Il s'est gratté le front, il s'est gratté le zen, il s'est gratté toutes les parties du corps en chantant. Ça s'appelle le stress. Bravo Nelson, très bien. Allez, on enchaîne. Allez, attention, direction Reims avec cette demoiselle, jeune maman. Eh mais
pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Consulte, tu es sourd. Ah, Jeff est totalement sourd. Très sourd, oui. Bah quoi? Non, il est très sourd, il est trop sourd. Les casques à fond. Mais je vais perdre 2 dB en mettant juste le casque. Vous êtes prête, mademoiselle? C'est bon? Oui, impeccable. On y croit. Allez, je suis avec toi. Oh, ça fait du bien de le entendre aussi, tiens. Ouais, le santé a très mal vie quand même. Enfin. T'es prêt? Attention. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. C'est bien. Mais j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas. Non, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Mais j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle prend le TGV, elle est déjà dans le train pour repartir. J'adore des îles. Ma demoiselle est belle. Elle me rend tellement fragile. Son sourire m'ensorcelle. Juste un battement de cils. Je deviens statue de sel. Moi qui ne suis pas docile. Je le serai avec elle. Moi perso, je l'ai bien aimé tes photos. Oh oh oh. Ça a même joué sur ma libido. Oh oh oh. À l'autre vieille, tu as fait ravaler son chapeau. Oh oh oh. Oh. À la télé, dans mon boxer, ça devient chaud. On stoppe les conneries là. Mais comment tu parles à ma sœur? J'aimerais. On stoppe les conneries. Mais elle ne veut pas. Non, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas. Non, 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 elle ne veut pas. Faut pas qu'on parte, ça va. Non, elle ne veut pas, non. Non, elle ne veut pas, non. Non, elle ne veut pas, non. Non, elle ne veut pas. Faites du bruit pour elle, s'il vous plaît. Salut, c'est Nagui. C'est plus facile. Alors, tu viens de gagner 20 points. Tu as bloqué Jean Ménoret sur les plages de Punta Cana, Rio ou Berck. Quel bravo, mademoiselle. Bravo, alors, bravo. C'est dur, hein. C'est dur. Salut, mon Jadoul en Belgique. On le retrouvera le 11 juin à Marchand Famène aussi en Énergie Musique. Exactement. Allez. Au quoi? Marchand Famène, c'est le Wex. Mais le quelle Wex. Langue tu parles? Marchand Famène, c'est le Wex. Mais non, c'est le Wex, c'est la région. Voilà. Marchand Famène, c'est le Wex, c'est le Jeffas, le sur style. Sur le Flex. Wex. C'est l'endroit, le Wex. Ah ouais, c'est le Wex, c'est la salle. Sur la route du Wix. Marchand Famène, c'est la région. D'accord. T'as joué là-bas aussi. T'as le Flex. Ouais, t'y as été. C'est vrai? Oui, on a joué là-bas à Marchand Famène. Bah oui. Ouais, on a même dormi. Tu vois, tu es mauvais. Non, tu es une personne mauvaise. J'ai fait une chanson, fait t'es mauvais. Je sentais bien que t'es mauvais. Tu mentais. Je sentais bien que tu mentais. Tu mentais. Je sentais bien que tu mentais. We go away. Je sentais bien que tu mentais. On va tenter un appel jeu de mots. Ah, j'aime bien ça. C'est rigolo. C'est rigolo. Ah, ils viennent de découvrir. Ah. Oui, parce que c'était pas celui-là qui était prévu. Ah, c'est vrai. On en avait prévu un autre. Mais... Ah, ça a l'air drôle en tout cas. Ah, ça a l'air drôle. Il rit déjà. Alors, attendez. Il y a plusieurs personnes. Non, c'est bien. C'est bien, il y a plusieurs personnes. Nous allons tenter d'appeler 5 personnes. Oh la vache. Ah ouais, 5 c'est dur. Hein. Les 5 personnes que j'appelle. Si elles répondent bien et si elles restent en ligne, je peux refaire une chanson avec 5 personnes. Waouh, mais quelle chanson? Bah justement. Oh, vous allez vite la découvrir. D'accord. Je vais appeler monsieur Voir. Monsieur Teba ou Teba. Attends, Madame répète Loche. Le premier. Oui, c'est bon, je l'ai. Il y a Patrick et il y a Madame Fétou. Oh non, putain. Les gars, ça commence bien, vous n'êtes pas dans le bon ordre. Allez, j'y vais. Allô, pardon, Madame Fétou. Oui, c'est moi. Bonjour, Madame Fétou. Excusez-moi de vous déranger, c'est Monsieur Coé à l'appareil. Bonjour. Sympa comme. Monsieur Coé, oui. Bonjour, Énergie, enchanté. Alors, je voudrais vous présenter d'autres. Si Madame Fétou, c'est monsieur qui doit être content. C'est pas cette vanne. Allô. Je suis désolé de vous déranger, Madame Fétou. Ne raccrochez pas, j'ai Monsieur Voir. Monsieur Voir. Oui. Bonjour, Monsieur Voir. Monsieur Coé à l'appareil sur Énergie. J'espère ne pas vous déranger. Monsieur Teba ou Monsieur Teba. Oui, c'est moi, allô. Oui, bonjour, Monsieur Teba.
Oui. Bon, alors bonjour monsieur, c'est monsieur Coé. Arrêtez de dire oui, ne raccrochez pas. Madame Fetou, vous êtes toujours là? Allô. Vous êtes, bah oui, vous êtes toujours là, ne raccrochez pas. J'ai madame Loche qui est en ligne. Madame Loche. Bien aussi. Oui. Bonsoir madame Loche. Madame Loche et madame Fetou, faut pas se qu'on va passer une soirée ensemble. je suis Coé. Nous sommes sur Énergie. Allô. Bonjour à tous et nous avons Patrick qui est là. Patrick. Oui, bonjour. Bonsoir, je peux vous appeler Patoche? Oui. Alors attention, à votre nom, dites-moi si vous êtes là. Fetou. Oui. Voir. Oui. Théba. Oui. Loche. Oui. Patoche. Oui. Fais tout voir tes baloches, Patoche. Trois. Fais tout voir tes baloches, Patoche. Allez tout le monde. Fais tout voir tes baloches, Patoche. Fais tout voir tes baloches, Patoche. Dernière voix. Excellent. Nous voir tes baloches, Patoche. Eh ouais, il est parti. C'est Coé, le meilleur, Vitar. S'installe chez Coé sur Énergie. Bienvenue. Ça va? Excusez-moi. Ah mais pardon. Parce que nous on était là, on était prêts avec Miko, on était dans le lancement avec Jeff. Oui. Et puis les deux là. Ça va. Oui. On est maman donc on parle enfant. Voilà. Les couches, biberons. Voilà. Génial. Vous disiez quoi? Ça bah, je regarde. Non. Je veux savoir. Non, on disait que ça passait très vite les premières années, que ça passait très vite. Voilà. C'est solide ou liquide le tien? Non. Non, c'était des belles années. Quel âge? Un an, deux ans. Ouais. Son fils, c'est un garçon, voilà, toi. C'est ça, ouais. Voilà, c'est ça. Donc je disais que ça passe trop vite, c'est vrai. Moi je pense que c'est la petite dernière, donc. On a profité. Hein. Voilà. Ça fait mal au cœur, hein, non? Ouais. Ouais là, hein. Franchement, par contre, tu te dis, c'est la dernière c'est fois qu'il y a un bébé, quoi. Pareil, ouais. Bon, on sait pas en fait, mais voilà. Je sais pas si ça fait aussi mal au cœur au papa. Non. Ouais, je non. Sais pas. Moi ça, il en a marre déjà depuis deux avant, tu vois. Non, mais quand t'es une femme, ça fait très bizarre. Il faut se. Ouais, ouais. Exactement, c'est vrai. Ouais, nous non. C'est l'intérieur, ça. Ouais, vous pouvez faire des gauches qu'à 70 ans, c'est dégueulasse. Al Pacino. Al Pacino, il remet le couvert. 83 ans. Oh mon dieu. Je suis choqué. Ouais. Et deux jours avant, on avait appris Robert De Niro. De Niro, ouais. 79 ans. Un enfant c'est aussi. Incroyable. Non, mais ça va, les gars, quoi. Je pense que déjà, s'il souffle avec le petit, la première bougie, ce sera déjà énorme. Ils seront pas là pour la communion. Hein. C'est horrible. C'était quoi le bilan avec Slimane? Vous avez fait combien de concerts? On a fait 110 concerts. Wow. On a fini par la Défense Arena, qui est une salle que moi, j'envisageais même pas. Et c'était incroyable. Et en 110 concerts, on s'est jamais pris la tête. C'est quand même incroyable, ça. Les gens ne croient pas. Hein. Ça, c'est énorme, parce que c'est vrai que généralement, voilà, quand on travaille beaucoup, on fait les promos ensemble. Ouais. Vous êtes jamais engueulé vraiment? On s'est jamais engueulé, je te jure, Coé, je le dis dans les yeux. C'est jamais. Bon. On s'est même quand il a su que tu gagnais le double de lui, ça ne l'a pas. Pas du tout. Tout est partagé 50-50. moi, j'ai entendu, sur les artistes, ça doit moins. Mais on sait des fois qu'il y a des groupes où ils ne se supportent tellement plus. Genre qui, t'as entendu? Dépêche Mode. Oui. Ah ouais. Dépêche Mode, ils ne peuvent plus se blairer. Il n'y en a plus un qui se parle. Le pire, c'est que c'est depuis le début pratiquement. Voilà, et ils arrivent en 5 Mercedes différentes. Oh. Ils montent sur scène, ils font leur truc et ils ne s'échangent pas un mot. Non, mais ce qui est horrible, c'est de continuer. Si tu ne peux pas te saquer, il ne faut pas le faire, quoi. Et souvent, les humoristes ou des gens qui étaient à deux ou qui faisaient des pièces à deux, qui ne se supportaient plus, ils jouent leur rôle en se regardant dans le front. C'est-à-dire qu'ils ne se regardent pas mais dans les yeux. Ah, c'est horrible ça. C'est très déstabilisant. Ouais. Moi, on m'a raconté des trucs, là je peux pas dire les noms, mais on m'a raconté des trucs où quand les gens étaient dos au public, c'est ah, connard. Ah, c'était l'enfer. Ça dans les pattes. Et les gens se disaient, qu'est-ce qu'ils s'amusent sur quel duo. C'est là où t'es bon normalement, ils doivent pas le voir les gens. Ah bah oui. À part la Défense Arena, évidemment, qui est le plus spectaculaire, quel est le concert qui t'a le plus marqué, peut-être pour des raisons différentes d'ailleurs? Franchement, je vais dire un vrai truc. Il y en a une qui est là et qui était là. Je dirais mon tout premier concert à la Cigale à Paris. Et je m'en rappelle encore aujourd'hui, je crois que je dirais que c'est peut-être la date qui m'a le plus marqué, ouais. Parce que c'est fort, quoi. Il y en a une date. Qui était là, la toute première. Ouais, elle est là, dans le public. Je sais que ça fait plus de 15 ans qu'elle est là, elle me suit de partout. Viens avec moi, viens voir. Attends, mais si, une. Écoute, tu me remercies du coup, ok. Vas-y, le prénom c'est Stéphanie. Stéphanie, mais depuis, t'étais là au premier concert. C'est une ancienne. Ouais. C'était vraiment super émouvant. Ton casier est vierge, Stéphanie. T'en as raté beaucoup, t'as essayé d'en faire quand même le plus possible. Sur Versus, j'ai fait 61 dates. Oh, 61 dates. C'est beau, grosse fan, ouais. Vous savez, non, mais là vous avez quelqu'un, vous savez pas. Supportrice. Et là sur la tournée, j'ai pris toute la tournée. Parce que là, on vient d'ouvrir la tournée, elle a pris. Toute la tournée, j'ai pris. Steph, c'est une vraie, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, mais t'es riche. À cause de toi, elle est à découvert. Ce serait peut-être le moment de la rembourser. Je te jure, à
À chaque fois, je lui dis, c'est vrai ou pas? À chaque fois, je lui dis, arrête de prendre c'est des vrai, dates. C'est vrai, bon, elle travaille, elle gagne bien sa vie, mais je lui dis tout le temps, arrête, garde tes bon, vrai. Elle peut continuer. Pourquoi tu gagnes ta vie? Pour m'offrir les concerts de Vita. Pas du tout. Non, mais je veux dire, je ne ruine pas sa vie, mais ça me choque. Mais moi, je lui dis, tu vois, regarde, il est trop mais ça la rend heureuse. Mais là, oui, alors ça, c'est si ça la rend heureuse. Je ne mange plus. Ça, il faut pas qu'on. La passion, c'est pas de l'alcool, c'est pas de la drogue. Enfin, tu vois, tout va bien. Combien t'as réservé de dates là? Bah toute la tournée, 30. Ah, elle était folle. Ça démarre en 2024 en plus. Et imagine, c'est pas bien. Ouais, 2024, on vient d'ouvrir. Tu viens juste d'ouvrir. Ah, c'est dégueulasse. T'as dit quoi? Imagine, c'est pas bien. Non, ça. Non, c'est pas moi, c'est lui. Ça se fait pas. T'es en train de me dire. T'es en train de me dire. Là, les 31 dates qui vont, qui s'ouvrent. Ouais, j'ai tout pris. Elle a tout pris. Mais je sais, je la connais. Et tu sais où t'es placé, ville par ville? Elle prend les prestiges, Chloé. Première place devant. Elle prend les prestiges. C'est incroyable. Mais demande-lui du blé en bas. Attends. Par contre, quand même, ce qu'il faut dire, c'est que moi, ouais. Steph et moi, on est très proches. Par exemple, Steph, c'est une privilégiée. Steph, elle a des exclus. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Ça veut dire que Steph et moi, on se parle en off. Parfois, je lui fais même écouter les sons en amont. Je la fais venir en coulisses. Elle connaît tout le monde. Bah, elle vient avec moi. C'est ma vraie. Tu vois ce que je veux dire? On se voit elle paye sa place. Je t'ai pas offert des places, Steph. Si je veux qu'elle continue à faire des concerts, il faut bien. Elle en a offert. L'autre jour, je lui dis viens, si t'en veux pour qui tu veux. Elle m'en demande même pas. Et tu sais quoi, vous avez de la chance d'avoir des fans comme ça. Non, mais c'est les vrais. Moi, je la mets à l'honneur et je lui dis merci infiniment parce que s'il n'y a pas Steph, il n'y a pas de Vita. Merci. C'est quoi ton métier? Ressources humaines. Ouais. Bah, ça gagne bien. Hein. Bah, dis donc, je vais faire ressources humaines. Elle gère CRTT, tout ça, comme ça. Bravo, t'es une numéro 1. Toi, une vraie. Bravo, reste avec nous, Vita et notre invité, le nouveau titre, vous allez le découvrir. Le cinquième album va arriver à l'automne, c'est ça? Le 6 octobre. Huitième. Huitième. Pourquoi tout le monde, depuis ce matin, me dit deuxième, cinquième? Je vous jure, c'est huitième quand même. Hein. Pourquoi cette erreur? Allez, viré. Cinquième. Ouais. Enfin. Bah, je fais que copier. Oh, le copieur! Le copieur, le rapporteur! C'est peut-être cinquième album solo. Non, c'est septième solo. Sacha, ça me rajeunit. Qui t'a envoyé cette erreur? Je veux un nom. Je veux un coupable dans les 5 minutes, Sacha. Sinon, c'est toi qui prends. Là, dans le studio, t'as tout le monde qui regarde ses mails. Attends. Et là, tout le monde check. Non, merde, qui a envoyé ce mail? Il va sortir le mail. Sacha, qui a envoyé ce mail? Amel. Qui est Amel? C'est chez nous, hein. Bah bravo, hein, Différence Prod. Hein. C'est là, ça fait des teasers. Bravo! C'est en interne tout ça. Eh bien, Amel vient de perdre son job en live. Bravo! Amel! Et ça sort le 6 octobre. Dommage, elle était sympa, m'entendre. Amel. Elle était gentille. Jamais une erreur jusque-là. Elle compte pas juste. Mais bon, elle a mis les chiffres au hasard. On a trouvé, on m'empêche. C'est bien, on a trouvé la faille. Pour ton retour dans l'émission, alors tu vas passer dans notre émission, c'est un peu comme 7 à 8. C'est-à-dire qu'on a ton reportage. On a ton portrait de la semaine qui est fait en direct. J'adore. Et quand il y a des trous, tu dois les combler avec la réponse. Okay, d'accord. On y va. Dans le portrait de la semaine, Vita, une chanteuse que l'on ne présente plus, sauf quand on ne la connaît pas. Celle que ses proches surnomment Chachou. Revient avec un nouvel album qui s'appelle Charlotte. Mais la question que tout le monde se pose, pourquoi Charlotte? Parce que c'est mon premier prénom. Ça y est, plus personne ne se pose la question. Il le fait trop bien. Mais cet album signe aussi un retour solo de l'artiste. En effet, la chanteuse en avait marre du duo, car elle ne pouvait plus supporter la voix du chanteur. Pour fêter ce retour en grande pompe, elle a sorti sa carte Vita. Oh non. Et pour grignoter, Vita a ramené ses sucreries préférées. Mais je mange pas de sucre, les gars, je me résume, putain. Quelle triste vie. Rien. Non, je suis dans une diète, là. Des pommes. Ouais, des pommes. Mais elle n'en donnera pas à Koé pour une raison simple. Il est au régime. C'est une version plus élégante que de dire il est trop gros. Je remercie. C'est là où... En plus, c'est vrai. Je préfère les flancs, si ça marchait. Pour conclure cette soirée en beauté, Vita offrira à chaque membre du public un chèque d'un montant de... 5 euros. Qu'elle aura volontairement oublié de... signer. Parce qu'elle a encore le crédit de la maison à rembourser. Vima Vita, un reportage signé Vita Mitsuko. Oh, très bien, bravo. Dans un instant, vous découvrirez le titre en live. Bravo mon Corentin. Voici le live de Vita pour la première fois chez nous. Le titre sort aujourd'hui, c'est sur Énergie. Je tombe, j'apprends, mais rien n'efface jamais vraiment les choses qu'on fait depuis trop longtemps. C'est la vie qui veut ça, on sera jamais d'accord.
s'installe chez Koei sur Énergie. On n'entend que vous. Dernière partie de l'émission. J'adore ces garçons. J'adore. Bien tout ce qu'ils font. Ils sont nos invités au fun back. T'as encore fait de la muscu, toi. Bah en fait, pour être ah ouais, pourquoi chanter barbecue. Non, je sais pas, je pense au barbecue. Non, parce qu'on a ah ouais, aussi on peut tout dire, on n'a pas de secret pour les gens. Non, ouais, non, ouais. Il faut pas avoir de secret. Ils viennent mixer au Touquet pour un festival au mois de d'août. Août. Je leur ai dit le lendemain, c'est barbecue à la maison. Et t'as mis une rallonge ou ils viennent gratos? Ah, ils viennent gratos. Ah bon. Non, ils payent pour venir bouffer. Exactement, chez moi. Exactement. Il a déjà ouvert un tricount, ouais. Parce qu'on partage les merguez et tout. À la fin, il faudra partager la couleur. Ça va. Je fais que de la radio, ils sont connus mondialement. Donc en tout cas voilà, donc on parlait barbecue. Bon, je suis très content, mais t'as repris la muscu toi. Alors en fait, dès que je viens, je fais une séance 30 minutes avant. Comme ça, je suis hyper congestionné. Vu qu'il y a de la vidéo, tu vois, je me suis dit, allez. Mec en pompe. Dans le couloir. Présentez-moi cette demoiselle. Oui. Bah alors c'est SVA, elle peut se présenter toute seule même. Mais je sais pas si elle peut le faire en français. Mais try in French. Introduce yourself. Okay. In French. Say it again. Attention. Bonjour, je m'appelle SVA. Et je suis très fais lui dire des saloperies, fais lui dire des saloperies. Ouais. Non. Non. Je commençais à. On était à ça. Non. Le désolé GPT a failli venir. Ah, le désolé GPT. Elle a compris en plus. Welcome in Paris. Thank you. Where do you come from? Stockholm. Yes, Stockholm, Sweden. Très beau, Stockholm. Très beau. Très joli. Beautiful place. Yes, it's so. Je lui racontais en antenne la dernière fois, j'ai fait une croisière à 10h du matin à Stockholm. J'ai mangé une tartine de saumon à 10h du mat. The cruise he was on was at 10 a.m. Avec l'eau. 10 a.m. Yeah. Oh my god, who is salmon at 10 a.m.? Ah oui, qui mange du saumon à 10h du matin? Bah, you guys, apparently. Honestly, I haven't had salmon in years. Ah bah, ça fait des années qu'elle n'a pas bouffé de saumon. Comment s'est passée la rencontre? Bah, on avait composé la chanson Body Talk en studio et c'était notre voix à la base. Et du coup, on a voulu faire essayer plusieurs chanteuses et notre label nous a présenté SVA. On lui a envoyé la maquette. Elle nous a renvoyé un truc enregistré comme ça, 24 heures plus tard, et c'était génial. Donc, on a à peine fait de retour et c'était aussi simple que ça. Donc, c'était super fluide, super simple. Parce qu'elle a une carrière à elle dans le, comment ça se passe? You have your own on career la connaît pas, pardon. In Sweden, right? Yes. I've been doing music since I was 18. Depuis qu'elle a 18 ans, ouais. 2018, elle a commencé à chanter, ouais. Très bien. Quel genre? Vous faites quoi? What kind of music? Pop, I électro? Do pop. Ouais. Yeah, ouais, pop. And right now, it's very influenced by 90s, late 90s, early 2000s. Alors là, c'est très influencé par fin des années 90, début des années 2000. On aime bien ça, nous. Yeah, they like that. Faudra venir, tu seras débarrassé des deux grandes années, là. When you get rid of these two, you should come and do your music. Yeah, I'm sure. Mais là, un titre qui sort, là, qui s'appelle Effort, non, c'est pas ça? Et ça parle de quoi, le morceau? What's the song about? The song is about being in a one-sided relationship and you put all the effort in, but the only thing your partner put in is his dick. Ah, très bien. Ah. Donc, j'ai compris ce dick. Bah oui, t'as compris le mot. Mais t'as compris. Bah, t'es dans une relation, il y a qu'une seule partie des deux qui fait ce qu'il faut et l'autre partie ne met que son dick. Il pense qu'il y a une kazab. The man is digging the head. Like, yeah, c'est un peu ça. Le zizi, il y a des chances que ce soit le mec, ouais. Ouais. Non, la seule chose qu'il investit, c'est ça, quoi. D'accord, en gros, ça veut dire. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Ouais. D'accord. Bah, c'est étonnant, hein. Ça ne ressemble pas du tout au français. Alors, en français, c'est pas cette image. French men are not like that at all. We are not. Okay, you're not. No. How are French guys? Alors, comment sont les hommes français? French, so romantic. Ouais. They put the effort. What? C'est nous qui mettons le truc. Oui, bah, fais un accent. Fais un accent. Un petit peu allemand, là, non? They put the effort. T'as vu comment il a dit ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé allemand. Make the effort. Non. Ah, c'est ça. No, we are so romantic. Okay. Yes. I would love to meet a French guy. What do you prefer? Bah oui, j'aimerais bien rencontrer un Français, du coup. Yes. Bah, on est là. And we are not Belgium. Voilà. Brochette. No, we are German. T'es romantique, toi. Yeah, I'm really romantic. Ouais, mais t'es casé, toi, laisse tomber. Voilà. But he's taken. T'es romantique, toi aussi. Moi, je suis très romantique. Bah ouais, je le vois bien, les gars. Je sais que vous êtes romantique. Ouais, moi aussi, je suis romantique. Mais... Non. Toi, t'es marié. Svea, elle est romantique, elle vous a amené des gâteaux. Oh, Ah, yes, you
T'es prêt? Ouais, des gâteaux romantiques. Il y a des vannes ou pas? Non. Ah, c'est ah pas merde, une caquette. Voilà. Ah mais si. Il adore. Fais-moi choquer, t'es choqué. Est-ce que tu en veux une? elle te demande si tu en veux une. Oh my god. Comme ça, est-ce que tu en veux une? Faut pas regarder. Bah, elle te demande, écoute. Ah non, non, je... Yes, you want. Two for stouff. Non. Yes, okay, we'll pass it around, everybody. Écoute, tout le monde va en avoir. Yeah, ok, bah écoutez, caquette pour tout le monde, alors. Cette discussion est merveilleuse. Je vais regarder quand même pour le... He wants to see it up close. Faut goûter. Regarde ça de près. They're very shiny. Viens goûter, toi. Elles sont très brillantes, elle dit. Oui. Oui, in France, we have the shiny dick. We are like that. Oh, I love that. Elle romantique tout. Yes, when you turn off the light. Là, j'ai arrêté de traduire. Shining. Comme les sabres laser. Typically French. Typically French. Tu dis qu'on avait une dub qui brillait dans la nuit. Alors. Svea Ifort. Allez, on y va, on goûte. Ah. Par contre, ne la mange pas cochon, mange-la sur le côté. Et tu ne la tapes pas sur la joue avant de la manger. He said, don't slap it on your cheek before you eat it. C'est immonde. Alors? Pas possible. No, you have to eat from the top. Non, elle dit qu'il faut manger en haut, désolé. Eh ben, tiens. Voilà. I've had a few already. Elle en a trop mangé, ce qu'elle vient de dire. Bon, en attendant. Elle a dit, I had fewer. Tu les connais un petit peu, ces deux-là? Tu les connais depuis quelques mois maintenant, alors? So you've known them for like what, a few months now? Well, we met for the first time a month ago. Ils se sont rencontrés il y a un mois. Ah, vous vous entendez bien? Do you guys get along? Yes. Bien sûr. In my opinion, I don't know. Selon about... elle, oui, elle, c'est pas pour eux, mais elle, ça va. Yes. Comme si, comme ça. He says so. Les gars, vous allez tourner beaucoup cet été. Vous allez où? Vous allez une tournée en France? Vous savez quoi? Vous avez le festival? Le festival, j'imagine. Bah là, on part dans une semaine en Corée du Sud. Ah, oui, parce qu'en Corée du Sud, l'autre est s'étendu. Et en France, on va faire le Fnac Live, on va faire le Delta Festival dans le Sud, le Touquet, les déferlantes. Donc on a un beau programme. Et n'oubliez pas le barbecue, les gars. Parce qu'il y a des... Et le barbecue. Ah, et le barbecue au Touquet. Le Touquet. Voilà. Il y aura les platines là-bas? Ah oui, j'ai des platines. Ah, là. Mais non, c'est les barbecues, c'est les plans de chat, ça n'a rien à voir. Ça non, mais je fais ça. Ah ouais. Ceci dit, barbecue et mix, ça peut être sympa. Ah oui, ça peut être très très lourd. Tu peux finir ta quéquette? C'est bon? Ouais, c'est super bon. Oh, it's very good. On se fait le titre en live. Is it the first time the live, the record? Je te laisse galérer parce que c'est un régal là. Bien installé. No. Is it the first time you're doing it live with them? Exactly. Yes. Yeah, it's our first time together. Ouais. On y va? Allez-y. Are you ready? Allez, on y va. Yes, we're ready. Let's go. C'est parti. Wow. J'annonce cette façon de parler. Wow. Off and back. Svea, le nouveau titre en live sur Énergie. Ouais. Take my breath away. Let's not make it complicated. Oh, come baby, pull me close. Gonna let our bodies talk. Overrated.